Bonjour Frédéric, bonjour Benjamin. Bonjour Pierre Croce, bonjour Benjamin. Pierre, Fred, comment allez-vous? Eh ben très bien. Quel tablé? Belle tablé, c'est vrai qu'on s'est rarement... C'est rare qu'on soit tous les trois comme ça, cette table. Exactement. T'as ta 10e vidéo dans ce même style. Et pour voir des... Je te laisse annoncer, mais des choses de dingue encore aujourd'hui. Là, on va voir, on l'avait déjà fait l'an dernier. Est-ce qu'on peut utiliser le mot génie? On peut utiliser... Peut-être un peu galvaudé, après je sais que bon... Vous vous souvenez de... La montée des marches à l'aveugle. Qui méritait d'ailleurs la vraie montée des marches. Il a fallu qu'il fasse ça à Cannes. Ah, mais ceci dit, qui n'était pas facile à faire aussi, on a essayé. Impossible. De... Ah, impossible, impossible à faire. Je peux repasser aussi le sens. Peut-être qu'aujourd'hui, on va aussi avoir des gens qu'on va vouloir imiter, qu'on n'aura pas. On va peut-être se moquer d'eux, mais quand on va essayer de le faire... Pas de moquerie. Ah non, non, non. Disclaimer. S'il y en a bien qui n'ont pas de talent ici... C'est nous. Non, mais il peut avoir un petit rictus, mais c'est pas la moquerie, c'est de... Ah, c'est de la surprise. Messieurs, dames, premier talent inutile. Non. Ici présent. Talent. Voilà. Ça fait quoi de savoir que t'es présenté comme quelqu'un qui a un talent inutile? Pas spécialement. Ah, ça c'est bien ça, c'est bonne. Comment ça va? Tu t'appelles comment? Tommy. Enchanté, Tommy. Ah, c'est ton... D'accord, ok. C'était pas une blague. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment mon prénom. Alors, alors oui, je rappelle le principe. Tommy a un talent totalement inutile. On va devoir le trouver en 5 minutes, on peut poser des questions par oui ou par non. Et ensuite, tu nous fais une démo, qu'on le trouve ou non, bien sûr. Comme quoi, ça n'a aucun intérêt qu'on le trouve ou non. 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Alors Tommy, est-ce que c'est un talent physique? Oui. C'est un talent en rapport avec tes mains? Non. Les jambes, c'est très très jambes, c'est ça? Tu ne te rases que la moustache? C'est juste qu'elle pousse pas, c'est tout. C'est ton ventre qui fait un truc? Non. Sur ta tête? Oui. Oh, les oreilles? Non. Tu sais faire reposer des choses sur ta tête? Presque, c'est pas loin. Le front? Oui. Tu sais faire tenir des choses en équilibre sur ton front? Ouais, voilà. Front, mais avec le nez aussi. Bah, on l'a trouvé? C'est fini? Oui. Bravo! Est-ce qu'on considère que c'est inutile? Ah bah, ouais, je veux, Eh bah let's go, démonstration mon Tommy. Parce que, attends, c'est genre des gros trucs, un balai, un... Non, ça peut être des gros trucs comme des petits trucs. Allez, bah let's go. Bon là, je suis prêt à tester. Ça se trouve, ça c'est vraiment impressionnant, ça se trouve. Hein. Attends, attends, mais ça c'est chaud ça. C'est une feuille. Ah. Ah. C'est dingue. Les lois de la physique sont bravées là. Et pour l'anecdote, c'est mon prof de philo qui m'a appris. C'est bien trouvé ça. C'est la fin de l'anecdote. C'est bien trouvé. C'est juste ça. Non, alors moi j'aimerais que tu montres à quelque chose de plus imposant. C'est dédicace Pierre. Allez. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Une raquette de tennis. Non mais très bien. C'est tellement inutile. Ça ne sert à rien. Ceci dit, ça commence à être une belle perf de cirque. Attends, mais ça, tu arrives sur ton front aussi ou pas? Non, en fait, il sert des deux là. Non, non, je servais que du nez là. C'est le nez. D'accord. Il est en nasal, Raphaël Nasal. Ah oui, les deux, d'accord. Les gars, on n'a aucune réaction. Non, les gars. Ah, forcément, quand elle est plus sur le front, elle tombe. Hein. Et t'arrives à la faire tenir de l'autre côté? De ce côté-là? Ouais. Mais comme ça, c'est le nez et le front. Ah oui, effectivement, là, ça épouse bien la forme de son corps. Ah non, il faut y arriver, ça. Bravo, Tommy. Ah, bravo. Bravo. Pierre, tu veux... Bah, bien sûr. La raquette, Pierre. Les gars, pour le coup, ça, c'est facile. Ça, désolé, Tommy, je veux pas te dénigrer, mais... Pierre, faut lâcher la main. Ah, il arrive pas. Hein. Franchement, attends, tu sais quoi? Non, non, je t'en prie, j'en ferai rien, là, c'est trop important. C'est là qu'on se rend compte de la puissance de Tommy, quand même. On dirait qu'il joue de la trompette. Oh! Oh! Il est meilleur que Tommy. Non, Tommy ne bougeait pas, Lui enlève pas son talent. Ah, c'est dur. Attends, mais Tommy, il y a un troisième objet. Il y a un troisième objet, mais je le maîtrise un petit peu moins, mais on va voir. Les gars, à votre avis, là, je fais quoi, là? Je vois pas. Un masque. C'est impossible que ça tienne. Wow. Tout le monde l'a tenu sur son nez pendant 2 ans, donc. Non, quand même. Attends, en vrai, là, c'est chaud, là. Non, mais là, par contre. Attends, en vrai. On dirait qu'il est aimanté. Oh, attends, c'est trop bien. Ça peut pas être trop bien, ça peut pas être trop bien. Bravo, Tommy. Il est chaud, Tommy. Ah, mais bravo, Tommy. Tommy Alfayer. Oh. C'est bien ça, c'est mais ça, c'est bien ça. Bah bravo, c'est bravo, vraiment inutile, on t'applaudit. Encore quelque chose qui fera pas avancer le monde. Bravo Tommy. Mais des bonnes soirées en perspective. Moi ça m'aurait intéressé en soirée. Mais tu passes une très bonne soirée avec tous ces gens qui vont venir. On te souhaite une belle vie. Ben merci. Elle commence très bien Tommy. Et j'ai toujours cette petite question de comment ça a été découvert, combien de temps t'y passes. L'ennui. Je pense l'ennui. Que tu découvres ça avec l'ennui. Ok, attention messieurs, dames, talent inutile suivant et on espère qu'il sera inutile. Oh. Bonjour. Salut, comment tu t'appelles? Florent. Enchanté Florent. Salut Florent. Eh bien, chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que ton talent inutile est sportif? Non.
Est-ce qu'en soirée, avec notre pote Tommy, tu peux... ça peut être cool. C'est toujours cool en soirée, les talons inutiles. C'est vrai, il a raison, il a la bonne mentalité. Raison, il a bien défini. Est-ce que c'est un mouvement de ton corps que les zones savent pas faire? Ouais. C'est sur la tête-tête? Non. C'est sur les épaules? Non. C'est vocal? Non. C'est le cocor? C'est le zizi? Non. C'est le sissif? Le sissif à son pépère? Le sissif? Les deux doigts? Tout... Les genoux? Les doigts. Les doigts. Est-ce que c'est de la souplesse? Oui, on peut dire ça, un peu de souplesse. T'arrives à les retourner? J'arrive à me retourner les doigts, ouais. T'es hyper lax des doigts et ça permet de faire des trucs que personne ne savait faire. Je me déboîte tous les doigts, quoi. Tu te déboîtes tous les doigts. Ah, ça... Waouh! Ça, je peux pas voir, ça, par contre. Mais si, est-ce qu'on peut considérer que c'est inutile? Ah bah oui! Ah bah là, alors là, d'accord! C'est plus la question, est-ce que c'est un talent? Moi, je pense que oui, parce que t'as dû le travailler. Non, même pas. Ah, ok. Bon, vas-y. J'ai peur d'avoir peur. Vas-y, un par un. Bah, déjà, le pouce. Oh. Je veux pas voir ça. Oh, les poupous, ça sont pépères. Donc toi, quand tu fais rien, tu tournes vraiment les pouces. Ouais, je me tourne les pouces. C'est pas mal, ça. Vous voulez le doigt? Ouais, non, attends. Ah, on dirait... Mais à l'école, t'as jamais besoin d'équerre? Non, je dirais comme ça, avec le doigt, comme ça, attaque. Fais-moi une combinaison, la plus grosse combinaison, parce que... Ça, et en fait, c'est mince, c'est Rubik's Cube. Oh, wow. Moi, ça, je fais un peu, mais... Non, mais c'est un Lego, le type. Moi, j'ai tenté une fois, j'en ai pour 8 semaines de réparation. Est-ce que je peux voir... Tu sais, moi, je suis un peu des trucs... Je peux voir un peu de près? C'est banal, excuse-moi. Super banal. Des fois, je fais un peu des trucs comme ça. C'est pas mal. Moi, je fais ça. Regardez. Je sais pas si tu sais le faire, mais des fois, je fais ça. Voilà. Est-ce que c'est pas le mec qui donne le plus de plaisir au monde? Ah bah lui, il peut tout aller chercher. Hein. Il a trouvé un point H une fois. C'est bon ça, parce que forcément, on allait l'être. Mais de base, on hésitait parce que j'en avais deux de talents inutiles. Ah, j'aime bien les gens qui ont le talent inutile. C'est avec ma langue et je peux faire aussi avec ma mâchoire. Je peux faire des mélodies. Ah, bah let's go. Mais par exemple, Martin Garrix Animal. Je déboîte tout en fait. Et après, je vais y faire aussi avec ma langue, très très fort. Ouais. Ok, super. C'est inutile. Ah oui. Mais c'est intéressant. Non, mais c'est vrai que merci d'avoir précisé parce qu'on s'est dit, mais. T'as bien fait de choisir le premier. Le deuxième, moins. Bon, bah, merci beaucoup. Bah, félicitations. Merci, à vous. Bravo, hein. Merci beaucoup de talent inutile. Ouais, beaucoup de talent. Merci. Inutile. Par contre, c'est vrai que j'ai jamais vu ça dans ma vie, ce pouce qui revient en arrière. Ah, attention, est-ce qu'on aurait pas un talent inutile suivant? Talent inutile suivant. Monsieur, bonjour. Bonjour. Wow, quelle entrée. Donc tu t'appelles Carte. Non, tu t'appelles comment? C'est pas indiscret. Je m'appelle Hugo. On a 5 minutes. Tu nous confirmes que c'est inutile. C'est parti, messieurs. Inutile. Vraiment, c'est quelque chose que t'as depuis que t'es petit ou tu l'as travaillé? Je m'en suis rendu compte fin du collège. Donc 21 ans. Aucune indication, Pierre. Fin du collège, 14 ans. C'est quelque chose par rapport à ton corps? Ouais. On considère que c'est artistique? Ça peut l'être si vous voulez, après... T'as besoin d'un truc en plus ou là t'es autonome là? Non, là je suis autonome, je peux le faire là, ouais. C'est avec tes bras? Non. Ah non, mais les bras, les mains. Les mains, ouais. Les mains. Encore? Tu sais faire, ça fait un bruit ou c'est juste visuel? Ça fait un bruit et c'est visuel. Ah, tu sais, t'imites un animal. C'est un peu comme ce que tu fais, Pierre. Tu sais auto-applaudir? C'est ça, ouais. Attends, tu sais auto-applaudir avec une seule main? Ouais, en fait, je m'en suis rendu compte parce qu'au collège, en étant stressé, je craquais tout le temps mes doigts et du coup, je sais pas si on va entendre, mais... Ah, les gars, là, il y a un game avec l'autre, là. Hein. C'est un peu ça. Et en fait, il craquait tout le temps et je me suis rendu compte que avec mes mains, j'arrivais à faire... Attends, d'abord une démonstration. Tu mets 10 personnes comme ça dans la salle, t'as l'impression qu'elle est remplie. Bravo! Bravo! Si t'étais venu au spectacle, j'aurais eu 2 spectateurs. Ouais, c'est ça. Bah, let's go, démo! Vas-y. Ah ouais, je n'ai pas le visuel. Où on va dans ces vidéos, Pierre? Pierre, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'invites? Il faut qu'on discute, parce que là... Je pensais que c'était plus impressionnant que ça. Deuxième démo. Je le fais que de la main droite et après je le fais de la main droite. Ouais, voilà. On fait chaque chose en son temps. Je sais pas s'il veut me dire bonjour ou si... C'est plus drôle que prévu. J'aimerais vraiment qu'on te filme au ralenti, pour qu'on voit, pour qu'on comprenne. Ouais, attends, elle va faire le réglage. On dirait le chat japonais dans le resto. Ton mouvement va être au ralenti. Pendant que tu le fais, on va l'analyser. Que main droite ou je fais les deux? Ta meilleure main, tu fais ta meilleure main. La main droite. Ah, c'est ridicule, encore plus ridicule plus ralenti, je pense. Donc ça vient vraiment, c'est le bout des doigts qui a claqué la paume. Ouais, c'est ici, ça vient vraiment claquer. Mais c'est comme un claquement. En vrai, quand tu vas à un spectacle, t'applaudis comme ça ou quoi? Ouais, comme ça tout le temps. Ça me choquerait, je suis dans la salle, je joue et je vois un mec. Ouais. C'est hyper déstabilisant. Ça se trouve, il y a une autre planète où les gens applaudissent comme ça. Et sur leur planète, tu fais ça, tu passes pour un débile. Non, c'est un talent là-bas. Eh ben, bravo. Ouais. Bravo à toi.
T'as fait gaffe, là, tu fais. Eh bah, super, bah, merci. Tu peux retourner avec tes amis. Il est dans le thème. On peut pas le critiquer d'un truc inutile quand c'est dans le thème. On l'a cherché, ça. Bonjour. Ça se voit que t'assumes même pas. Tu t'appelles ? Aude. Enchanté, Aude. Aude. Eh ben, on va y aller, Aude. 3, 2, 1. Messieurs, c'est parti, Aude. C'est un talent artistique ? Non. Non, Pierre, c'est inutile. Aude, tu sais imiter des choses ? Ouais, c'est sonore, je pense. Oui. Tu sais imiter des animaux ? Oui. Attendez, parce que là, on a trouvé vite. C'est animal en particulier. Est-ce qu'on va chercher quelque chose en particulier ? Ouais. Un oiseau en particulier ? Un mammifère ? Bah, c'était... Ouais. Plutôt un oiseau. Tu sais imiter un rouge-gorge ? Un oiseau. Tu sais qu'il y en a plusieurs. Si tu fais cote, on reconnaît pas un aigle. Non, c'est pas ça. Donc, toi, tu sais les imiter tous? Non, juste je fais un son particulier. Ah oui, donc il est même pas répertorié. T'as créé une race d'oiseaux pour toi. Exact, ouais. Ah bon, on veut l'entendre, en fait, Aude. Sur Wikipédia, c'est oiseau. Oui, c'est oiseau. C'est le livre d'enfant. Ah, c'est le livre d'enfant, c'est oiseau. Oh, les oiseaux. Oiseaux. Eh ben, je t'en prie, Aude, on veut l'entendre. Ouais. Attendez, on fait silence. Alors, faut s'imaginer dans la forêt équatoriale. Bah non, mais non, c'est un oiseau, il peut être également aussi en Europe. Pour moi, là, c'est Bois de Vincennes aussi, oui, bien là. On s'imagine entre Vincennes et l'équateur. Oh, putain, c'est bien. Bah, c'est un moineau, là. Bah, c'est moineau rouge-gorge. C'est pas les bruits que t'entends à Nature et Découverte? Oui, c'est vrai quand... Ah, mais le matin, tu sais que t'as un truc très intéressant du matin. T'as pas de variation? Non. Non, c'est juste ça. De toute façon, les gars, c'est soit ça, soit Martin Garrix au réveil. Donc, à choisir. Alors, moi, il y a plein de questions qui viennent. Alors, première question. Oui. Et sans doute la dernière. T'as déjà essayé de communiquer avec des oiseaux ? Faut que j'essaye. Non, t'as jamais essayé de te mettre près d'un arbre et de siffler pour voir si. Je vais essayer. La tristesse de la scène. Ouais, je crois que c'est un temps. Là, c'est. Bah, merci beaucoup. Merci, quel talent inutile. Bravo, quel talent. Ah ouais. Non, le matin, il y a peut-être un petit game rigolo. Bien sûr, il y a un délire. Ce qui me permet d'enchaîner avec un talent à moi. Je vous en glisse de temps en temps. Ah bon, t'as un talent. Vous voulez le faire en 5 minutes ? On a trouvé ton talent ? Ouais. Bah, tu te mets là, alors. Oui. Bah, tu te mets là, Pierre. Je suis désolé. Hein. J'ai un talent. C'est inutile et je suis même pas sûr de bien le faire. Talent suivant, bonjour. Vous appelez comment ? Pierre. Ah, c'est marrant. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Pierre, est-ce que... J'imagine que c'est pas un talent physique ? Non. Non. Voilà. C'est méchant. Vous savez imiter des choses ? Une chose. Ah oh non, est-ce que c'est pas la batterie ? Non. Avec la bouche ? C'est sonore ? Oui. C'est un instrument ? En quelque sorte. Bah c'est... Est-ce que ça s'apprend au conservatoire ? Non. D'accord. C'est un détournement de quelque chose. De l'autotune ? Non, mais c'est dans ce game-là. Le truc, là, le truc de Stromae, là, quand tu souffles, là. Mélodica, non. Non, je le travaille, mais ce sera pas avant 2025, ça. T'en es fier ou pas ? Oui. Mais je sais pas si je sais bien le faire. Hein. En fait, il sait pas bien faire un truc. Je me suis pris au jeu, j'ai vu les autres, je me suis dit, je peux passer aussi. C'est un rapport avec des sons d'ordinateur, un peu ? Un peu, c'est ce game-là, mais okay, c'est d'accord. Pas ordinateur. Il reste 3 minutes 6, on n'a pas envie de trouver. Bon, bah allez-y. Allez-y, continuez à chercher, je commence à m'installer. Donc là, il met son casque. DJ, oh non, le DJ. Oh non, il fait les platines, tu fais les scratch ? Au scratch. Ok. C'est comme ça que vous êtes fait mal au doigt ? Non mais attends, on va pas se moquer parce que c'est pire. On le prend comme un vrai talent. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, du coup je sais plus si je le fais... Ça fait longtemps qu'il a pas fait un truc qu'il est pas sûr de bien maîtriser, qui a évolué avec l'histoire. Ouais, attends. Non, mais... C'est plutôt ce doigt-là. Ok. Moi ce qui me fait de la peine, c'est que vous avez cru bien le faire à un moment donné. Oui, mais je le fais bien, regarde, si bah, t'écoutes bien. Enfin, non. Là, dans votre carrière, là, genre, est-ce que là, tu considères que t'as ton prime de... Genre, c'est le max que tu sais non, faire. Non, mais non, après, la musique évolue avec le temps, mais... On vous rappellera pas, monsieur. Ouais, je crois, non. On va... Je repars ? C'est pas bah ça. Bah oui. C'est là, j'ai pas... Mais ce qui me fait ça, qui me fait mal au cœur, je crois qu'il est premier degré dans « Oui, je sais bien le faire ». Oui, mais oui. Pour lui, c'est mais pas vous verrez les commentaires. Non, mais Pierre, y a rien. On enchaîne ? Attends, je sais pas, je suis hyper mal. Qu'est-ce que je suis pas bien, là, Pierre ? Bon, bah, on enchaîne. Talent inutile suivant. Mal de mer sur une vanne. Ça tombe, là. Hein. Bonjour. Salut. Bienvenue à Maison Grise. Je t'ai peut-être mis la pression avec ce que j'ai fait juste avant. Ah ouais, carrément. Non, super, là. Elle est pas impressionnée. Comment vous appelez-vous, déjà ? Anaël. Anaël, comme le prénom féminin. On y va, les gars ? C'est parti. 3, 2, 1. Bon, Anaël. Bonjour, Anaël. C'est avec la voix ? Non. C'est avec le cœur ? Non. C'est avec les mains ? Non. C'est avec le cœur ? Non. Ah, mais toi, t'as besoin d'un objet en plus, c'est sûr. Ah bah non. C'est une histoire d'équilibre. Non. Tu mimes quelque chose ? Si, un peu quand même. Un peu d'équilibre. Tu fais tenir en équilibre quelque chose ? Non.
tu tiens en équilibre sur une partie de ton corps. J'essaye, ouais. Ah, tu tiens sur la pointe des pieds comme dans Titanic. T'es sur les pieds, t'es en ballerine. Ouais. Bah let's go. Bah c'est trouvé les gars. Bah, c'est bon. Attends. C'est ça. Elle fait rose dans Titanic. Rose dans Non, je suis en moins stylé quand même, regardez. Ah, attendez. Très dur, hein. Attends. Oh, le vélociraptor. Voilà. Ça peut marcher comme ça. C'est hyper malaisant de ouf. Elle, quand elle rentre, c'est sur la pointe des pieds. Au moins, on m'entend pas dans les escaliers. Là, ouais, c'est recherché par la police, c'est les empreintes dans la forêt. Non, bah, c'était une biche. Comment tu t'en es rendu compte de ça? Bah un jour j'avais une douleur dans les pieds, je me suis dit vas-y, peut-être qu'il faut que je les craque et du coup je fais ça. Et en fait je me suis rendu compte que je pouvais marcher dessus, que j'avais pas mal. Donc... C'est fascinant. Attends, moi j'ai jamais vu ça pour le coup. Moi je grandis un peu parce que je suis très petite. T'as un talon caché en fait. Du coup, tu t'en sers à quel moment? Bah jamais, c'est pour ça que c'est inutile. Ah bah oui. Ah bien joué. C'est bien joué ça. Ça pour le coup là est dans le thème. Eh bah bravo, attends Anaël, je sais pas quoi te dire, c'est super. J'en avais un autre. Ah. Allez. Je sais écrire à l'envers. Ah. Ça c'est intéressant. Alors ça... Attends, on va voir parce que ça peut être impressionnant. J'écris quoi? Bonjour. Talent inutile. Non les gars, en vrai là c'est fou. Après il manque le point là sur le inutile. Oui. Je peux essayer? Oui. Parce que je crois que j'y arrive. Je me dis faut non, s'imaginer dans un miroir. Ouais, t'as un hiéroglyphe là. Ah, je regarde même pas. Il y arrive même pas. Pierre fait du scratch. Tananf inutile avec le à l'envers. C'est vrai qu'il n'y a pas d'utilité à écrire à l'envers. Ah, j'ai une question, quand t'écris à l'endroit, est-ce que t'as la même écriture? Pas du tout. Écris à l'endroit pour voir à quel point ça... Ah, c'est peut-être pas écrit à l'endroit. Hein. Ah ouais, c'est pas la même écriture. Peut-être que ça, c'est une face cachée de toi, en fait. Eh ben merci beaucoup. Bravo. Bravo, Noël. Travaille ça, conserve ça. Monsieur, dame. Dites-moi tout. Non. Oh, on arrête avec ça. Talent suivant. Bonjour! Eh bien, le bonjour. Comment vous appelez-vous, madame? Sarah. 3, 2, 1, c'est parti, Sarah. C'est inutile. Oui. Est-ce que c'est bien, bien inutile? Je m'en suis jamais servi dans ma vie. Oh là là! Bravo! Bravo, félicitations. Même pas pour faire un peu marrer les potes? Si, quand je devais être petite. Donc, c'est un truc un peu inné. Tu sais faire des bulles avec ta salive? Après, tout le monde sait le faire, ça, normalement. Des fois, j'en fais sans faire exprès. Mais tu rôtes, en fait. Ouais. C'est pas avec la bouche? Si. C'est un son? Oui. Mais c'est physique ou c'est un son qui sort de ta bouche? C'est quelque chose que je dis. Tu sais roter? Tout le monde sait le faire, mais c'est pas mon talent. Chaque fois que j'ai un truc, tout le monde sait le faire. C'est un mot? C'est le mot qu'on cherche? C'est ce que je dis qu'il faut que vous trouviez. Tu sais dicter quelque chose, en gros? Oui. C'est l'alphabet à l'envers? Oui. Me regarde pas. Non, s'il te plaît, me regarde pas. Ah bah, qu'est-ce que je fais, moi? Attends, tu regardes Fred. Attends. Tu regardes Fred à ce moment-là, et puis c'est tout. Hein. Je suis pas là, je suis caché. Mais en fait, t'as appris l'alphabet à l'envers. Oui, enfin, je l'ai pas vraiment appris, mais j'ai réussi à le sortir quand on me l'a demandé. Et bah, alors, attends, tu sais quoi, je vais vérifier parce que. Vous le voulez en rapide ou en compréhensible, on va dire? Mets-le en note vocale x1,5. Non, mais fais-le pour l'instant normal et on va voir si tu peux accélérer parce que là, nous, on va te challenger, tu vois. Au montage, l'alphabet. Oh, wow, il a même dit le mot à l'envers. Ouais, ça s'affiche à l'écran. C'est quand tu veux. ZYXWVUTSRQPONMLKJIAGFEDCBA. Bravo, hein. Ouais. Ben ça, c'est bien, mais maintenant, tu peux le faire plus vite. ZYXWVUTSRQPONMLKJIAGFEDCBA. DCBA, c'est bon. C'est comme un freestyle Skyrock, mais ouais. En maternelle, quoi. Alors, moi, j'ai plein de questions. Mais attends, moi, j'ai trop de questions, je suis désolé. Alors, allez-y, parce que moi, j'attends que vous les posiez, moi, j'en ai plein. Je sais qu'on a réservé le lieu jusqu'à 19h, mais c'est inné ou tu t'es entraîné pour le faire? Attends, moi, j'ai plein de questions, vas-y, Ben. C'est un son? Alors, moi, c'est pas quelle poser. Je suis un peu quand. Le fait. Je t'ai coupé d'ailleurs. Je t'ai coupé. Tiens, moi j'ai plein de questions. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Attends. C'est quelque chose qui. Dans ta langue. T'as toujours. C'est ça, j'avais 3 ans. Ouais. On m'a dit, t'es pas capable de le dire. Elle a trouvé la question, elle regardait pas. Parfait. On fait un peu les moqueurs, mais t'es carrément dans le thème. T'es venu avec quelque chose d'inutile. On peut pas lui en vouloir. Je dis ça au cas où ça peut faire passer pour les 3 mecs qui disent, ah, t'es nul. On a. Change les batteries ou. Parce qu'après, il n'y a plus de. Non, merci beaucoup, en tout cas, c'était inutile. On rigolait, merci beaucoup. On se moque, mais on est dans nos personnages et. Bim, 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 bim. Ouais, on est vraiment dans nos personnages. Messieurs. Attends, c'est le dernier ou. J'ai la tristesse de vous annoncer que. Déjà. Ah ouais. Talent suivant. Ah, oh, ben oui, mais bien sûr, on connaît. Bien sûr. Comment tu t'appelles? Lilian. Qui est venu dans la vidéo du Chestag, qui est venu dans la vidéo du Burger sur Chef Verekia. C'est ça. Et le Beer Pong. Bien sûr, on connaît Lilian. Plein de choses, mais on n'a jamais eu ton talent. Et non. Lilian, let's go. Lilian, est-ce que ça va avec ton corps? Exactement. Donc on va trouver la partie du corps en question. C'est travailler? Oui, il faut le travailler.
Tu fais du 200 au développé couché. Ah, ça oui, mais pff, c'est pas mais mon c'est pas talent, ça, quoi. C'est les coudes. Travaillé. Non. Les mains. Oui. Est-ce que t'es en compétition avec tes prédécesseurs? T'es souple des mains? Non, pas spécialement. T'as besoin que de tes deux mains pour faire. Après, je peux le faire aussi avec une main, mais ça sera sur une autre partie du corps. Ah, mais ça, on veut pas. Ah, tu fais des bruits avec? Ouais. Un bruit c'est en particulier ça, un bruit en particulier. C'est ça. Tu sais péter des mains? Ouais, je sais péter des mains. Allez. En fait, ce qu'il vient de faire, tu sais le faire. Ouais, un peu plus mieux, hein, je suis désolé. Oui, parce que comme c'est la première fois que je le faisais, je vais te faire mais... Alors, les tonalités sont compliquées à faire. Ouais. Bah, je vais vous faire un blind test. Allez. D'accord. Attends, déjà, est-ce que tu peux nous faire un P? Oh, désolé. Ouais, super, ouais. Tu peux, tranquille. Oui. D'accord. Il devait faire des mélodies. C'est des pélodies, du coup. Oh, c'est bon, ça. La Marseillaise. Jour de gloire. Est arrivé. Bah, bientôt les JO. Il y a d'autres? T'as d'autres musiques? Ouais. Ah non, des musiques. On rigole, mais c'est technique. C'est hein. Dur à faire. En vrai, ce que t'as fait là, on fait les mecs pour impressionner parce que moi-même, je fais le scratch. Mais... Oh ouais. Avec un peu de travail. Mais déjà, t'as à faire un bruit déjà. Moi là, j'avais pas fait un bruit. Je suis débutant, pardon. Hein. Non, je suis débutant en lignant. Elle va te le dire. Attends, ça me vient un truc. Toi, je sais que tu l'avais déjà fait quand on était... Tu te rappelles, on était partis à Yuma, où j'avais les toilettes à côté de la chambre. Ouais. Tu avais déjà fait ça, je me rappelle. Mais j'avais pas reconnu une mélodie. Comment ça? Bah, t'avais déjà... ça, ce qui... refais-le, tu vas voir. Parce que... Non, j'arrive pas à faire ça. Tu vois, il n'y a pas de bruit qui sort. J'arrive pas, moi. Il était 23h30 et t'étais parti faire ça dans la salle de bain. Ah, le truc que tu m'as dit dans le lit, ça se fait pas. Non, c'est pas ce soir-là. Non, je parlais quand tu l'as fait dans la salle de bain. D'accord. C'est vrai que dans le lit, c'était encore autre chose. Attends, tu peux le refaire alors. On va essayer de trouver. C'est un. Je sais pas, C'est Roger Rabbit. C'était Pirates des Caraïbes. C'est pas toi qui a enregistré la vraie en studio. Ouais, exactement. Grâce à moi. Et après, donc tu disais, t'as avec une main à faire quoi? Bah en fait, je peux le faire avec tous les orifices. Non, pas les orifices. Tous les creux de mon corps. Tu peux le faire dans l'oreille? Ouais. Oh, c'est un peu stylé, ça. C'est intéressant ce que vous proposez. Ça, c'est pas mal, parce que si tu oublies ton casque dans le train, tu peux te faire la musique directement. Surtout que c'est pas la même acoustique. Et il peut se faire Pirates des Caraïbes. Ah, bah, bravo Lilian. Lilian, moi j'aimerais avoir quelque chose, c'est reste là. Tu peux te mettre au centre s'il te plaît? Est-ce qu'on peut avoir celui qui applaudit? Les gars, là, on a un orchestre. La personne qui applaudit avec ses mains. On a un orchestre symphonique ouais. Là. Hein. On accueille tous les participants. Les talents. Alors attendez, on va essayer de créer un petit moment. Alors, on avait qui avait des sons? Moi je peux le faire avec ma mâchoire si vous voulez. Ouais, alors toi tu pourras faire la basse. Toi tu feras l'instrument un peu plus mélodique. Toi tu feras le rythme. Allez, je fais le rythme, ouais. L'oiseau qui peut... Ah, le perroquet sur l'épaule, ouais, quoi. Le perroquet. Et Ben, t'as pas besoin d'un mec qui fait du scratch ou pas, là? Si, je peux, si moi je pourrais. J'aimerais bien quelqu'un qui, derrière, marche sur la pointe des pieds aussi. Et un mec comme ça, avec un... Ça, c'est stylé, en fait. Bah, on va faire... Un spectacle. Pirates des Caraïbes. Le rythme, c'est chaud. De toute façon, partez du principe que c'est ridicule et inutile, ce qu'on est en train de faire. Merci à tous, en tout cas. Merci d'être venu nous présenter vos talents. Merci. Et avoir de l'autodérision aussi, ouais, parce que c'est vrai que c'est pas facile. On s'est un peu moqué, mais c'était vraiment pas sans méchanceté. Et on ferait pas mieux, c'est ça le truc. Vas-y, c'est toi qui lance. Attends. Parce que quand tu lances la musique, en général, ça peut commencer par un petit truc de scratch. J'ai oublié l'oiseau. Oh, c'était beau! Ouais. Allez, on finit sur la Marseillaise quand même! Ah, on finit sur la Marseillaise! Oiseau, la Marseillaise oiseau, pardon. 3, 4! Merci, fin de vidéo! Merci! Quel orchestre!